en fait, j'ai fait un BTS audiovisuel au lycée de la communication à Metz. Un très très bon BTS qui m'a appris des tas de choses et qui est très formateur, quoi. Et puis en sortie de BTS, j'ai travaillé directement dans les sociétés d'audiovisuel de la région, quoi. Donc pour 4 ou 5 boîtes en tant que technicien vidéo. Dans ces métiers-là, dans le métier du cinéma, de l'audiovisuel, on peut rien faire de bien quand on est tout seul, je pense. À moins qu'on soit vraiment un espèce de génie, en fait, dans le domaine. Mais je trouve que c'est impossible d'avoir une objectivité, en fait, quand on fait tout. J'en suis là où je suis actuellement grâce à mes anciens collègues, qui se reconnaîtront tous, qui me donnent un coup de main, qui me prêtent du matériel, qui viennent m'aider sur les tournages, qui m'apportent leur soutien. Si on n'avait pas tous ces gens autour, ça serait juste impossible. Donc voilà, l'humain, c'est forcément super important. On peut pas faire des grandes choses si on est tout seul, je pense. Je suis très influencé par les États-Unis et puis j'y ai travaillé pendant 2 ans et j'ai travaillé dans une boîte d'étalonnage. Et donc au niveau des couleurs, des contrastes, c'est un style que j'ai gardé, quoi. Alors je suis pas du tout le seul à le faire, mais c'est ce qui m'inspire et c'est ce qui me parle. Et voilà, je fais ce que j'aime et ce qui me plaît, et puis en espérant que ça plaise avant tout au groupe pour qui je travaille. Et ensuite, si ça sert leur musique, c'est gagné, quoi. Le rêve absolu, c'est de pouvoir réaliser un long métrage. Voilà. Donc là, pour l'instant, je fais du clip parce que ça me plaît et parce que je pense qu'il y a encore quelque chose à faire là-dedans pour moi. Là, je suis en train de plancher sur un vrai projet avec une vraie équipe, un vrai budget, et puis voilà. Et puis un jour, j'espère pouvoir réaliser un long métrage.